Bonjour, aujourd'hui on va faire quelque chose de très différent. Déjà, je vais parler en français et aujourd'hui mon mari. Il tire mes cheveux. Il veut pas que je parle en français, je crois. Tu veux parler en tibétain? Hein? Alors aujourd'hui, on va faire un jeu. Mon mari, il va lire des petits mots en français que je vais lui écrire sur un petit papier. Et il a un accent très bizarre. Après, je me moque pas de lui, mais c'est juste qu'il a un accent très 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 bizarre. Donc on va tous rigoler. Hein, bébé? Hein? Hein? Pourquoi tu tires les cheveux de maman? Hein? Allô? Tu dis quoi? On Je suis français, je suis parisienne, je parle français. va voir. Désolé, je suis tibétain. Alors, on va voir. Hein? On va voir si tu parles bien français. Ok. Allez, on va commencer. Allô? Allô, monsieur? Hello. Qu'est-ce que vous faites? I'm Parlez en français, s'il vous plaît. Mais donc. Je brosse les dents. Je me brosse les dents là. Je me brosse les dents. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est le mot. Allez, lis-moi en français. Ok. Lis. C'est marqué quoi? Martinet. Maternelle. Martinet. Ma. Ma. Terre. Terre. Nel. Martinet. Excusez-moi, c'est un peu grosse. Grosse. Grosse, c'est en anglais. C'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Martinet. Allez, finis de brosser le dos. Ça veut dire nursery. Nursery. Ah, ok. Alors, le deuxième mot, c'est. Oh, yeah, j'ai oublié un T. Tu fais quoi? J'apprends le français. C'est un gars et une fille sur YouTube. On va regarder ensemble. Fraise, abricot. Fraise. Tiens, le deuxième mot, mets en pause. C'est citron. Non, c'est pas citron. Citron. C'est pas citron. C'est quoi ça? C'est Citroën. Citroën. C'est une marque de voiture. Ah oui. Tu fais quoi? Je fume. Est-ce que tu fumes? Non, je fume pas. Ne fume pas, ok? C'est pas bon pour la santé. Tiens, lis ça. C'est ton troisième mot en français. Tiens, lis, c'est quoi? Boloir. Encore une fois. Ah, tu prends trop de temps. Boloir. Non, bouilloire. Bouloir. Bouilloire. Bouloir. Tu sais ce que ça veut dire? Je connais un boulanger. Boulanger, c'est ceux qui vendent les pains. Ok. Bouilloire, c'est pour chauffer l'eau. C'est bon, tu comprends maintenant? J'ai bien compris. Merci beaucoup, madame. J'ai bien compris, ma belle. J'ai bien compris, ma boubou. Ma poule. J'ai bien compris, ma poule. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Là, on va faire un mot ici avec les jouets de son amoureuse. B, I, J, O, U. Venez ici, s'il vous plaît, monsieur. C'est pas s'il vous plaît, s'il te plaît, je suis ton mari. C'est. C'est bijoux. C'est bien, bravo. Bravo, bravo, bravo. Donnez-moi un cadeau. Non, il n'y a pas de cadeau. Tu fais quoi? Je regarde. Va sur Google. C'est mon chaîne YouTube. Abonnez. Tout de suite. H. E. E. U. U. R. R. E. E. U. U. X. X. Oui, c'est quoi? Euro. Happy. Je suis euro. C'est bien, bravo. Mon mari, où es-tu? Je suis là, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais ici? Je joue avec mon fils. Sixième mot maintenant. Glissa, c'est quoi? En fait, j'ai jamais vu ça. C'est Grenoël. Grenoël. Est-ce que tu peux lire ça pour moi? C'est quoi ça? Il va manger, arrête. Ok. C'est Grenoël. Est-ce que c'est le mot français? C'est un mot français. Ok. Grenoël. Grenouille. Grenouille. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Non. Grenouille. Grenouille. Frog. Frog. En anglais, c'est frog. Merci, madame. J'ai compris. Ma poule. Le septième mot, je vais écrire ici. Salut, je m'appelle Singe. Yeah, lis-moi ça, s'il te plaît. Bavoir. Oh, c'est bien. Et ça veut dire quoi? C'est bavoir. Pourquoi tu rigoles, toi? Pourquoi tu rigoles? Bavoir. On met le bavoir. Oui, on met le bavoir. Voilà, c'est ça. Alors, le huitième mot, je vais coller ici, sur notre télé. Viens ici, s'il te plaît, mon mari. C'est quoi? Dis-moi ce mot. C'est cascotte. Hmm? C'est le cascotte. Attends, pourquoi? Tu vas où? Reste ici. C'est cascotte. Cascotte. Casse-que-te. Cascotte. Non, c'est pas casse-cut, c'est casquette. Casse-cut. Le français est compliqué. Non, répète après moi. Casse. Casse. Quête. Quête. Casquette. Casquette. Et tu sais ce que ça veut dire? Cassette. En anglais, on dit cassette. Non, c'est pas cassette. Casquette. Cap. Cap. Ah, ok. Fils, il a envie de dormir maintenant. Quoi? Ton fils, il a envie de dormir. Ok. Tu comprends pas ce que je dis? Mais j'ai compris, mais t'as dit, il a envie de dormir. C'est bien. Peut-être je parle trop vite pour toi. Vie. Ça focus pas. Focus. Focus, focus. Voilà. Le neuvième mot. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Hébergé. Encore une fois? Hébergé. T'es sûr? Oui, hébergé. C'est hébergé. Hébergé. Encore une fois? Hébergé. 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 Tu veux héberger tes amis à la maison? Oui, si on a grand appartement. Oh, sur Paris, les appartements, c'est trop petit. Tu veux déménager à la campagne? Non, je veux rester sur Paris. Pourquoi?
La vie sur Paris est belle. Ok. Chante-moi une chanson en français. Let it go, J'ai dit let en français. Chante-le en français. Let it go, chante-le en français. Laisse. T'as jamais entendu en français? Oh, Jaja, y a pas moyen, Jaja. Let it go, t'as jamais entendu en français? Non. Laisse-moi. Oh, je vais te faire écouter. Voilà, c'est là. Regarde, ça c'est en français. C'est la semaine des bestes. Oh. Laisse-moi. Libéré. Libéré, délivré. Oh, il dort. Il va bientôt dormir. Alors, le dixième mot, c'est. Je vais t'écrire sur le bras. Mon petit, il est en train de dormir. C'est quoi? Ok, c'est bon, t'as raté. Tu aimes mon cas. Cœur. Cœur. Ok, je pense que tu vas pas y arriver à dire ce mot et tu vas apprendre ce mot. Ok? Ok. C'est bon, je coupe. Alors, c'est la première fois qu'on parle français et j'espère qu'on va continuer comme ça dans notre prochaine vidéo aussi. Et on va parler de plus en plus en français et lui, il va parler en anglais. Tu vas parler en anglais ou en français? Les deux. Yes. L'été? Actually, the reason why we started this YouTube channel because we need a family activity, so we started the YouTube channel to make videos. It's a good activity for us. The second reason is that we want to try new things in life. We want to challenge ourselves. So we made almost 25 videos in Tibetan language. Because it's more comfortable for us. It's Oui, c'est our plus mother tongue. confortable. But now we want to Challenge us. have a new challenge to make videos in English, in French. And we have never been on camera. Okay, trust me. It's our first time. It's very difficult. Try our best. We try our best. Please don't judge us because I'm doing something, okay? Ça, c'est sa nouvelle couleur de cheveux. On a changé sa couleur de cheveux il n'y a pas longtemps. Et je pense que c'est pas la couleur qu'il voulait. Actually, this is my new hair color. This is not what I want. Like No, I don't like it. Actually, I like my hair color to be gray or white. But That will be difficult to it's achieve. very difficult. Actually, I asked my wife to buy a hair color for me. I say I want my hair to be gray or white. And she went to Monoprix. Monoprix means a supermarket. And she bought Garnier hair color. Finally, it's like this. When you buy a cheap product, you get cheap results like this. Now we are on YouTube almost 2 months. So now it's time to make a new content, something different. Septembre, non, 3 mois. C'est 3 mois? Oh, bientôt, oui, ça fait 3 mois. It's almost 3 months. Not 2 months. Not 2 months, 3 months. So we want to challenge ourselves. We are a little bit comfortable on camera now. As compared to 3 months ago. So we want to make a new content. Maybe in 2 days, I'm going to have a new haircut, new hair color. I'm a new man, new man, new man, new man. On va arrêter ici. De parler maintenant. On va arrêter de parler. On a trop We are parlé, going to stop here. on a trop rigolé. On va trop J'espère que rigoler. vous avez tous bien rigolé avec nous. I hope you also laughed. And we are going to make a more video like this. And if you are new to our channel, please subscribe. Abonnez, please abonnez. Abonnez, it means subscribe.
subscribe. Finally, please don't judge my accent, okay? For any language, I have a very, very bad accent. Even I speak in Tibetan language, I have a bad accent. So please don't judge me. So we are going to stop here. Thanks for watching. Thanks for watching. Maybe to see you in next video. En français? On se voit dans la prochaine vidéo. C'est bien. C'est bien. Au revoir.